Bonsoir chez vous, c'est l'heure de la prière. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'heure du secours a sonné pour quelqu'un. La Bible dit quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est content. On sourit. Parce que c'est lui le Dieu qui secourt. Et ce soir, je sais que son secours descendra. Dieu est prêt à faire descendre son secours dans la maison. Son secours sur les vies. Son secours sur les femmes. Son secours sur les hommes. Les jeunes. Peu importe le type de secours dont tu as besoin. Secours spirituel. Secours physique. Secours financier. Secours matériel. C'est le moment de secours. Je vous invite à vous apprêter pour que nous puissions implorer la face de Dieu pour son secours. Je voudrais que tu informes déjà les uns les autres et tu leur dis de se connecter. C'est l'heure du secours à travers la prière. Le secours du très haut à travers la prière. Je suis sûr et certain que ton secours viendra ce soir dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à cette séance d'adoration avec nous. Allons dans la présence de Dieu avec des actions de grâce à l'honneur du Seigneur, avec le groupe musical Adorons le Seigneur. Invite les membres de ta famille à se connecter chez eux, à se connecter. Nous sommes sur Facebook, Église évangélique des messagers de Dieu. Facebook dit Église évangélique messagers de Dieu. Nous sommes sur YouTube également. YouTube dit, vous avez eu le lien dans nos groupes. Invitez-les à se connecter même chez eux. Ce moment de prière, ce moment d'intercession, ce moment de secours de Dieu. Invitez-les. Tu es le roi sur la terre. Cabio aussi,
bama le kabie. Kabie si yo. You are the king above the Kabie si yo. Kabie si. Recevez-le, adorez-le avec nous. Jésus-Christ, roi de gloire.
Mais personne ne pourra te galer, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Jamais, jamais. Grand architecte de l'univers, lion de Judas, prosterne-nous, t'adorons Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma main, reçois ma louange. Offre ta louange au Seigneur. En communion avec le Saint, reçois ma louange. Jésus-Christ, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Quelle louange ce soir. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Une fois encore, soyez les bienvenus. Le Kodogo, à la prière de secours de ce soir, nous de alogot, où le Seigneur descendra pour secourir quelqu'un, pour secourir son église, pour secourir une de ses filles qui pleure en ce moment, pour secourir un de ses fils qui pleure maintenant. Peu importe ton fardeau, peu importe ton combat, tes difficultés, le Seigneur descendra ce soir grâce à cette prière que nous allons faire. Il va intervenir en ta faveur. Il va intervenir en faveur de ce monde. Il va intervenir en faveur de son église. Dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais lire quelque, je voudrais expliquer quelque chose rapidement. La prière, c'est quoi la prière? En fait, la prière, c'est un phénomène. Nous l'appelons phénomène parce que un homme naturel essaie de communiquer avec un être surnaturel. Quand un homme cherche à se verser et à parler, à répandre son cœur devant Dieu, on l'appelle prière. En général, elle consiste à une plainte, à un cri d'angoisse, à une demande de secours. Parfois, elle devient une contemplation sereine du principe émanant et transcendant de toutes choses. La prière est toujours suivie de résultats. D'ailleurs, au fait, les résultats nous fortifient même de prier. Même depuis qu'on a commencé par prier contre coronavirus, nous entendons des informations où la tension commence par se baisser. Il y a moins de morts. Et nous savons qu'il y en aura moins jusqu'à ce que ça termine complètement. Donc les résultats, il y a toujours des résultats pour la prière. Et les résultats nous fortifient, nous encouragent davantage de prier. Nous devons alors continuer de prier. De continuer à communier avec le Père, à lui demander des choses. L'Église est l'espoir de ce monde. Même si dans des difficultés, le monde tente d'oublier la place de l'Église, mais l'Église est l'espoir de ce monde. Et les yeux de Dieu sont sur l'Église. Les yeux de Dieu sont sur toi, chrétien. Les yeux de Dieu sont sur nous.
Et il cherche que nous parlons avec lui. Et ce soir, nous parlerons avec lui. Et je prie que le Saint-Esprit descende pour te fortifier ce soir. Pour le test, Ali, nous allons lire dans Acte 12, à partir du verset 2. Acte 12, le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Bon, et oui, Jacques, on nous vit, j'entends. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Bon, et néanmoins, il vivit nous Juifs là. Il fit encore arrêter Pierre. Il avait oublié Pierre. Et c'était pendant les jours de pain sans levain. Bon, oui, nous, et oui, nous, 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 après l'avoir saisi et jeté en prison. Oui, nous, et oui, nous, et oui, nous, il le mit sous la garde de 4 escouades. Il y a zéro, au main, et né, si à l'homme. De 4 soldats. Chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5 est vraiment intéressant, bien-aimé. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'intercéder pour lui des prières. Donc je répète, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Non-stop, quand on dit que quelque chose ne cesse pas, ça veut dire que non-stop, pas d'arrêt. Ça veut dire que nous ne voulons pas marquer d'arrêt, bien-aimé. Jusqu'à ce que ce nom disparaît. La télévision, ce nom disparaît de l'air. Ce nom disparaît des virus disparaît des vies. Virus cette famine s'arrête. Nous ne nous arrêterons pas. Nous allons continuer à prier. C'était un temps de persécution contre l'église. Et les rois, les autorités mettaient en prison les apôtres. Ils avaient décapité déjà Jacques. Voilà les héros, les icônes, les ténors de l'église. On l'a arrêté. Et ils l'ont décapité. Et quand ils ont décapité Jacques, les ennemis de l'église étaient contents. Aujourd'hui, certains sont contents avec ce qui se passe. Ces vampires sont contents. Quand les gens meurent, on compte 1000, on compte 100. Nous, ça rejouit le cœur des méchants. Quand le diable voit ça, il veut encore davantage tuer. Il ne pourra pas et il ne te tuera pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc quand ils ont arrêté Pierre, avec la même intention de le tuer. Je ne sais pas quel mal, quel fléau qui sévit dans ta famille ou autour de toi. Et qui te planifie à être le second, à être le prochain. À subir sacrifice. Mais j'annonce déjà qu'il est menteur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La famine qui veut sévir. Adore et banan, menteur à ton égard. La mort qui tue, le coronavirus qui tue les gens. Au coronavirus de menteur à ton égard. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit Hérode a vu que le peuple était content. Bible a dit Hérode de Momoïvini et Pierre dans la prison. Et lorsqu'il a gardé là. Bon, il savait que les moments vont passer et il va faire sortir Pierre bon, essaie de le tuer bon, mais cette fois-ci les prières ont joué leur rôle. L'église s'est réveillée. L'église priait mais pour Jacques on n'a pas entendu qu'ils ont fait une intercession spéciale. Mais pour Pierre, ils ont dit l'église n'a pas cessé de prier. Et vous connaissez la suite. Dieu est descendu. Et Dieu descend ce soir. Dieu est prêt à descendre ce soir. Toi et moi, nous sommes prêts maintenant à l'inviter. Nous sommes prêts maintenant à parler avec lui. Nous sommes prêts maintenant à crier, à pousser des cris d'angoisse. Nous sommes prêts maintenant à plaindre auprès de lui. Nous sommes prêts à répandre notre âme devant lui. Il va descendre comme il est descendu ici. Il a écouté la prière de son église. Il a exaucé son église. Il a libéré prière. Vous savez que Dieu intervient. Peu importe le lieu, le coin le plus reculé dans l'enfer où l'ennemi a caché, le diable a caché quelqu'un.
il va le faire sortir. Fi debudi au vi fi lili fi wiwla debudi au vi tezemendo mavomavono jete yano dimeton. Peu importe le lieu où il t'a caché, tu vas sortir. Fi debudi au vi tezemendo wedo aneton. Peu importe la liste noire sur laquelle on a mis ton nom, tu sortiras au nom de Jésus. Et tu es sorti ce soir. Tu es sorti ce soir. Grâce à sa prière, grâce à la bonté de Dieu. Bon derrière le mien, bon comme yon ma auto mien. Bien aimé, je sais que tu es prêt pour la prière. Wanyana non tu n'as jamais oublié ça. Je sais que tu es maintenant motivé pour la prière. Tu n'as pas peur de Dieu nous dire. Je sais que tu as la foi que Dieu va intervenir grâce à cette prière. Tu n'as dit de bon tu dois dire ma ou na c'est d'être badanti. Je voudrais que toi et moi nous puissions commencer par remercier le Seigneur. Babon yon quoi pour m'indiquer pas d'un maudit. Élève ta voix et dis Seigneur merci pour cette opportunité. Merci pour cette opportunité que tu me donnes ce soir. Donc pas nous Dieu le dire nami badanti. Vous priez encore. Si le vous parlez encore, vous demandez ton secours, vous versez des cris d'angoisse à cause de ce qui se passe sur moi, à cause de ce qui se passe dans ce monde, à cause de ce qui se passe sur l'église. Seigneur, nous voulons verser des cris d'angoisse devant toi. Lève ta voix et commence par prier dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te remercier ce soir pour l'occasion que tu nous donnes de collaborer avec toi, de demander ton secours, de verser nos cœurs par terre, Seigneur, de lancer nos cris d'angoisse, les cris de secours, Seigneur, au secours, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'occasion, Seigneur. Shabbat Lemorimaha, Makote Lemosekenaha. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit enfant. Mais les darons font bien. Non mais où l'homme a hôte de way à Wagbache. Dans ma force de prier. Non mais où l'homme a hôte. La prière qui est ma pierre. De way à Wagbache. Non mais où l'homme a hôte. Dis avec moi, donne-moi la force de prier. Ah, ton ami, tu vas lever ta voix, dit Seigneur. Reveille-moi de la passion de la prière. Reveille-moi de l'onction de la prière. Reveille-moi du sel de la prière. Cherche-moi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus ta voix et commence par prier. Cherche-moi, fais de moi un guerrier de la prière. Fais de moi un guerrier de la prière.
Écoute ce que la prière peut faire. À un moment donné, Josué était en plein combat. Et Dieu lui a donné la victoire. Et voilà, la nuit est venue les surprendre. Josué a dit pas question. Il s'est tourné vers le soleil. Et il a déclaré au soleil, arrête-toi. La Bible dit le soleil s'est arrêté. À la déclaration de Josué. Et la Bible dit, il n'y a pas ce jour-là que Dieu avait exaucé un homme constant dans l'histoire.
Bible me dit azan de kunebo ma ou se de peut-être ton mon nous sommes les Josué. Je voudrais que Josué tu crois à l'autorité que Dieu t'a donnée. Sur la matière, nous les phénomènes. Nous l'a dit. Tu as l'autorité, tu as la puissance. Toi et moi nous sommes à la place de Josué aujourd'hui. Peu importe ce qui veut empêcher ta victoire. Nous débouter titre pour la doit s'arrêter au nom de Jésus Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix comme Josué. Et dit coronavirus. Je t'arrête. Dans le nom de Jésus Christ. Au Bénin, je t'arrête. En Afrique, je t'arrête. En Europe, je t'arrête. Europe, que tu sois une âme chimique. Que tu sois virus infecté. Que tu sois maladie. Je t'arrête. Au nom de Jésus Christ. D'où tu viens. Enfant de Dieu, élève ta voix. Enfant de Dieu, ouvre ta bouche. Élève ta voix. J'arrête coronavirus. Je t'arrête COVID-19. Tu viens de la Chine, je t'arrête. Europe, je t'arrête. Avec Fiari, je t'arrête. En Amérique du Nord, du Sud, Sud, en Australie, je t'arrête. La lune a suspendu sa course. Oh, voici bon, je suspends ta course. Je suspends ta course. Je suspends ta course. Je suspends ta course. Dans le nom de Jésus. Je suspends ta course. Dans ce monde naturel, à sa source dans le monde spirituel. Et les gens les plus forts dans le monde spirituel, ce sont les chrétiens. C'est toi et c'est moi. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les marabouts. Ceux qui font la divination ou l'idolâtrie ni la magie. Mais les plus forts dans le monde surnaturel, nous voici. C'est pour ça que toi et moi, nous allons élever nos voix. Et tu vas dire tout ce qui est à la base spirituelle. De ce truc appelé coronavirus, nous suspendons ces esprits-là. Nous renversons ces esprits-là. Nous brisons ces esprits-là. Nous neutralisons ces esprits-là. Nous lions ces esprits-là. Vas-y dans le nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir sur ta langue. Tu as le pouvoir dans tes paroles. Tout ce que tu lis, le ciel le lit. Et je vous dis, nous sommes synchronisés avec le royaume de Dieu en ce moment. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lis ces démons. Lis ces principautés. Lis Aya. Thank you Jesus. Malé Kokoriba. Kade Kalokaliba. Disso Kate Kala. Yepala je te lis. Abahalama. Les dominations. Les autorités. Les principautés. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dignités. Je vous lis. Et je vous rempèse. Je déclare votre chute. J'annonce la fin de votre règne. J'annonce la fin de votre stratégie.
flamme, oui, à mitoncine, à zobité. Le Jésus m'a dit ton signe. Rivo Santa Cama, si vous étiez, quelle est ma maman. Réma Santa Cama, si vous étiez, quelle est ma maman. Rivo Soto Como, si vous étiez, quelle est ma maman. Rivo Soto Como, si vous l'onction de prophétie en train de descendre sur quelqu'un. Si tu sens ça, vas-y et moi, prophétise. Prophétise la chute de ces démons. La chute de leur plan. Là, il dit que tout est ton temps. Prophétise cela. La main du Seigneur sur toi. La main du Seigneur sur toi. Vas-y dans cette prophétie. Déclare la parole de Dieu ce soir. Allez, 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 les Jésus-Christ. La Bible dit qu'il priait. Au point où la sueur qui coulait de lui tombait comme des grumeaux de sang. Ça veut dire que prière corps, âme et esprit. La prière n'est pas juste un exercice naturel ou une récitation. La prière faut que l'âme de la personne implique son esprit.
implique son énergie à des situations. Et Rappelez-vous d'Élie qui a prié une première fois. Oh. Il est allé vérifier. Prier une deuxième fois. Son serviteur allait vérifier. Mais c'est toi, cette fois, bien-aimé, à son témoin, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Vous savez, derrière ce coronavirus, l'antichrist profite. Oh, nous sommes sortis de et pendant que nous prions, nous n'aurons pas assez de temps pour continuer à parler d'antichrist. Nous L'église est réservée parmi les entités qui font des activités non nécessaires. Les activités que exerce l'église dans nous Implication d'antichrist. Nous allons prier tout le temps et toute femme.
volontairement dans ses activités d'antéchrist, soit démasqué au nom de Jésus-Christ. Toute femme impliquée dans cette manifestation d'antéchrist soit démasquée, dépourvue. Et ni mon désarmé, et ni des avant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus n'a pas de nom de Jésus-Christ. Nous prions le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont déclarés positifs, nous les déclarons négatifs. Au nom de Jésus-Christ, que ce virus soit consumé en eux. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ brise ces chaînes et ces virus de corps. Que le pain, le corps de Christ, répondre maintenant dans le corps de ceux-là. Et dans les prochaines analyses, demander la sagesse pour nos autorités. La sagesse de ceux qui dirigent ce pays. La sagesse de marcher dans la volonté de Dieu. Dans le discernement de la volonté de Dieu. Pour dominer et vaincre ce mal et ce fléau, cette pandémie. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. La sagesse pour les autorités de ce pays. La galère ramasse carabala. Délivre-moi. Si tu te sens lié, délivre-moi. Si tu te sens malade, guéris-moi. Si tu te sens
bloqué, oppressé. Seigneur, je déclare ma percée au nom de Jésus-Christ. Si tu pleures avant de venir à la prière de ce soir, essuie mes larmes, Seigneur. Au secours, Dieu, dans ma vie. Ouvre ta bouche et prie maintenant dans le nom de Jésus. Au secours, Seigneur, dans ma vie. Au secours, Seigneur. David, demandez, vous sera donné. Demande ce que tu veux pour ta propre vie, pour ton foyer, pour tes affaires. Ceux qui sont envoyés de boulot, priez le Seigneur, envoie de vous faire des secrets de choses. Nourriture, la
la famine n'a pas bien commencé, mais toi tu souffres déjà. J'ordonne la provision. J'ordonne le souffle. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur ouvre des portes devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es blessé émotionnellement, tu souffres dans ton cœur. Apparemment, on te voit bien maintenant. Je prie maintenant. Mais j'entends cette guérison émotionnelle. Cette guérison dans ton âme. J'entends le repos pour ton âme. Dans le nom de Jésus, toi qui fais des cauchemars, cette nuit c'est fini. Tu ne feras plus de cauchemars. Toi qui dois dormir, tu es dénoué. Toi qui déclare boire les morts dans la nuit, je commande à cet esprit mort. Tu es dénoué, tu finis son œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa présence vous couvre, son onction vous couvre, son esprit soit sur vous tous. Big God, ton nom est dans le nom de Jésus-Christ, de la Jésus-Christ, la prière de ce soir. Moi, au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, écoutez les autres instructions de vos dirigeants de chef. Monsieur, nous prenons main à l'oro aux dirigeants mitonlettons. Amen. Amen. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Envie de payer vos dîmes, vos offrandes ou vos dons volontaires? Payez par Mobile Money en composant le 51 22 29 10. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.